Bonjour les amis, je vous retrouve pour une nouvelle revue. Aujourd'hui, je vous ai trouvé un produit complètement what the fuck, mais qui va en même temps vous être utile, je le pense. Donc c'est complètement novateur, hein. C'est la première fois que je trouvais ça sur le net. Bon, c'est encore sur Amazon bien sûr, hein, mais je vous mettrai le lien dans la description comme d'habitude. Donc qu'est-ce que c'est? C'est ça. Alors qu'est-ce que c'est que cette petite boîte là? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Et ben en fait, c'est des valves que vous allez venir brancher sur vos pneus d'origine de voiture ou de camion ou d'autres utilitaires de ce que vous avez chez vous. Et en fait, ça va envoyer par onde radio en permanence la pression de gonflage de vos pneus et la température. Et en cas où vous auriez une fuite ou un autre problème, ça va vous envoyer une petite alarme dans l'habitacle, puisqu'il y a aussi un petit écran qui va fonctionner soit via le panneau solaire, hein, qui est déjà installé dessus, soit s'il n'y a pas de soleil, et ben, vous allez le brancher sur l'allume-cigare. Donc c'est parti pour le unboxing. Donc c'est TPMS, hein, qui fait ça. Hop, on ouvre. Donc déjà, à quoi ça va vous servir concrètement? Et ben ça va vous servir, bah, à étendre, comme il y a écrit sur les petits logos là, je ne sais pas si vous voyez, à étendre, bah, la vie de votre pneu, hein, parce que si vous roulez sous-gonflé ou quoi, vous allez les user prématurément. Ça va vous éviter de faire des glissades incontrôlées. Ça va vous faire gagner du carburant. Donc voilà, c'est un ensemble de choses qui seront vraiment sympas pour vous. Donc on ouvre la boîte. Hop. Donc qu'est-ce qu'on a là? Bah, une carte de bienvenue, hein. Merci, welcome. Donc là, il y a le manuel. Donc le manuel, hein, pour installer toutes ces petites choses-là. Donc le manuel est en anglais. Hop, on va le poser là. Et là, vous voyez, c'est la partie solaire, hein. Je mets de côté. Donc à l'intérieur, bah, on a les quatre petites valves. Donc il y a écrit, hein, FR, front right, et en anglais, hein, à l'avant droit, et front left, à l'avant gauche. Non, je suis trop fort en anglais. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, on a tout ce qu'il faut pour les monter, hein. Donc j'ouvre ça là-dedans. Voilà. Donc on a des valves, on a un petit truc. Ça c'est pour enlever la pile, hein, parce qu'il y a des petites piles là-dedans de 16-32. C'est une genre des petites piles de montre. Donc je vais pas l'enlever, hein. Les piles sont déjà à l'intérieur. Et ça, après, c'est ce que vous allez mettre avant la valve, hein, pour venir monter les petites valves électroniques. Donc hop, on ouvre. Voilà. Donc il est livré avec son cordon USB, micro USB, hein, si jamais vous n'avez pas de soleil, au moins ça fera en sorte que ça fonctionne encore. Et le petit allume-cigare, hein, donc l'allume-cigare est en plastique, ça fait un peu cheap, mais bon, on verra l'usage. La partie intéressante, hein, c'est celle-ci aussi, je vais virer lui parce qu'il m'embête, hop, on vient couper. Donc il est emballé, hein, dans son écran film antistatique. Voilà. Donc là vous avez la partie, hein, voyez, la partie qui va venir capter les rayons du soleil, hein, pour vous donner de l'électricité. Et puis ensuite, bah, ici vous aurez le cadran, hein. Donc le cadran là pour le moment il n'est pas allumé. Là vous avez du 3M, hein, pour venir le mettre à l'intérieur de votre véhicule de façon que ça bouge pas. Et ici, bah, la partie pour venir brancher si jamais vous n'avez pas assez de soleil. Donc voilà, bah, le truc, hein, maintenant c'est de tester en direct, hein, sur la voiture. Donc je vous dis à tout de suite, on va sur la voiture, on monte tout ça et puis on voit comment ça fonctionne. Allez, ciao. Et c'est parti, hein, on monte tout ça sur la voiture et on voit comment ça fonctionne. Donc voilà, hein, les valves se montent en 2-2, hein, il n'y a pas de grosses difficultés, hein. Il faut surtout penser à bien visser le petit écrou, hein, qui est fourni jusqu'au bout et ensuite le ramener vers la valve, hein, sinon vous allez avoir des erreurs. Donc je vais venir brancher puisque là, bon, il n'y a pas beaucoup de soleil et puis il n'a pas le temps de se recharger puisqu'il était dans le carton. Je vais venir le brancher en USB, hein, puisque c'est la solution de rechange quand il n'y a pas assez de soleil. On serait idiot de ne pas s'en servir. Ah voilà, donc là on choisit en bar ou en PSI, hein. Donc chez nous ça sera en bar, en degrés. Donc là, ouais, vous allez pouvoir régler en fait la pression de gonflage à laquelle vous allez être alerté, hein. Voilà, et aussi bien dans le minimum que dans le maximum. Et pareil pour l'arrière, hein. Donc je vais mettre 2-2 à l'arrière. Donc voilà, là on a le cas. Bah, vous voyez, hein, il clignote 2,5, hein, je lui avais indiqué 2,6. Ça veut dire que le pneu avant droite est un peu dégonflé, hein, vous voyez. Allez, j'ai quasiment 2,5 partout et il manque un petit 2,6, hein, sur l'avant droite, hein. Donc d'où l'utilité de ce truc là, ça vous donne en permanence
la pression des pneus, ça va vous permettre de faire des économies, d'être en sécurité, etc. Donc bah, le test est concluant, hein. Tout fonctionne bien, vous voyez. Hein. À voir ensuite si le chargeur solaire hein, est une option fantaisiste ou pas. Bah, pour le moment, j'ai pas assez de soleil, donc il va pas se recharger tout seul. Hein. Voilà, donc l'alarme, elle continue à vous alerter parce que je lui avais rentré 2,6 en pression minimum devant. Et le degré, vous voyez, degré, bah 30 degrés. Hein. Tac, on voit mieux d'ailleurs là. Hein. Donc on a les 4 pressions de pneus, les pressions maximum et degré maximum, etc. Donc ça fonctionne super bien. Donc voilà, le test est concluant. Hein. Les valves fonctionnent très bien. Je trouve ça super utile en fait. Hein. Tout le monde devrait l'avoir dans son véhicule, voire même d'origine, hein, ça éviterait peut-être des accidents. Donc le lien est dans la description et je vous dis à une prochaine revue, bye bye.